Avec Robert, on est responsable du groupe de travail sur la transition, sur lequel on travaille depuis un moment maintenant, depuis 2016, ouais, c'est ça. C'est ça. 7 ans, ouais, 2015. Donc juste pour une introduction, parce que c'est un papier qui vient de sortir cette année d'un programme de transition allemand, Transnefro, qui a fait un questionnaire chez les néphrologues adultes en disant quels sont vos problèmes sur la transition. Donc déjà, vous remarquerez qu'il y a peu de néphrologues qui ont participé, 119 sur 1984. Et puis finalement, voilà, qui expliquent leurs craintes. Les craintes, c'est les parents, c'est leur connaissance sur la maladie rare et les problèmes de ressources. Ça a été publié. En fait, je regrette qu'on ne l'ait pas fait parce qu'on avait fait le travail en 2015. On s'était mis beaucoup d'objectifs et ça, c'était la première réunion qu'on avait tous fait avec le groupe. Alors, j'avais mis noté 2016, moi, mais bon, c'était peut-être 2015 où on s'était réunis. 2015, c'était le début, quoi, la création du groupe. Ça, c'est 2016. Voilà. Il a fallu le temps de le préparer. Voilà, c'est ça. Et on avait envoyé via les sociétés savantes des questionnaires pour savoir quels étaient les problèmes. Et c'était la première étape dans notre groupe de travail, c'était l'état des lieux. La deuxième étape, c'était eh bien, à partir de cet état des lieux, essayer de trouver des solutions, de rédiger des questions. De trouver des solutions et notamment des questionnaires pour les préparer la transition et le transfert. La troisième étape, c'était un peu diffuser l'information. Et puis la quatrième étape, on avait dit, une fois qu'on aura créé ça, il faudra évaluer nos pratiques et si ce qu'on a proposé servait à quelque chose. Donc on avait fait l'état des lieux, on avait présenté et finalement, c'était exactement la même conclusion que ce papier. C'est-à-dire, les néphrologues adultes, ont peur des parents et surtout n'ont pas confiance dans leur connaissance sur la maladie rare. Il y a beaucoup de choses qui s'est créées avec ORCID. Il y a aussi le DU maladie rare qui existe depuis 2 ans. Il y a tous les PNDS qui aident quand même les néphrologues. Et on a créé pour ce programme de transition des questionnaires donc de transition donc avant le transfert, de transfert et puis un an après le transfert chez les néphrologues adultes. On s'est inspiré, on a traduit un peu les fiches d'Amina Parvin, c'est ça ? Narvin Nagra, oui. Donc le programme s'appelait Ready Steady Go. Donc là, nous, c'est Avomark Préparté. Donc ces fiches sont disponibles sur la filière ORCID. En plus, vous pouvez les remplir en ligne, les enregistrer. Enfin, c'est très pratique. Donc ça, c'était la deuxième chose qu'on a fait. Donc c'est disponible sur le site de la filière. Deuxième chose qu'on Alors, a fait... Juste pour compléter par rapport à ces programmes-là, en fait, le programme Ready Steady Go a été traduit officiellement en français donc par quelqu'un qui était de la filière RESPI, et on m'avait intégré dans le groupe de travail pour participer à cette traduction en reverse, en fait. Traduction... nous, on a fait la traduction français-anglais. Enfin, eux, ils ont refait une traduction en français, mais à partir celle qui participait de la filière RESPIFI, elle était bilingue, en fait. Hein, donc, elle était à la fois anglaise et française, et donc, elle avait traduit les textes. Et puis après, on me les a repassés, et puis on les a relus avec Sandrine et Jennifer, donc pour faire à peine quelques modifications, en fait. Hein, donc, c'est cette traduction est présente aussi sur le site, hein, tu confirmes, Jennifer. Et ils ont fait également, chose qu'on n'a pas repris, des questionnaires un peu simplifiés pour certains patients qui ont des difficultés à lire, ou des difficultés, un retard, je veux dire, de langage ou psychomoteur. Et donc, il y a des questionnaires un petit peu simplifiés qui existent aussi, qui reprennent le même schéma, en fait, mais de façon un petit peu plus simple, pour que ces patients-là aussi, qui ont des difficultés, qui ont un retard, puissent aussi avoir droit à un programme de transition. Voilà, je te laisse la parole. Donc, dans les suites, basées sur bien les publications, ce qu'on avait fait dans la filière, on a publié une sorte de recommandation sur le transfert qu'on a publié en 2021 dans Néphrologie et Thérapeutique. Donc, on a suivi un peu toutes nos étapes. Et une fois que les centres utilisaient les fiches, on s'est dit on va monter un programme pour évaluer nos feuilles de transition et voir comment ça se passe.
Donc on s'est dit qu'on allait demander un PREPS. Donc l'objectif, c'est vraiment d'évaluer l'offre de soins, l'organisation de santé. On rentrait dans les critères d'éligibilité. Et donc on s'est tous réunis, le groupe de travail. Alors, la littérature, quand ils évaluent des problèmes de transition, c'est toujours sur la greffe en néphrologie, parce que c'est plus facile. Parce que souvent, alors, les critères évalués, c'est soit l'adhérence au traitement, la qualité de vie, ou alors le rejet et la perte de greffe. Nous, on voulait proposer un PrEP sur tous les patients de néphrologie. Donc on s'est tous réunis dans le groupe en disant qu'il n'y a pas que la transplantation, il y a ceux qui vont rentrer en dialyse, les insuffisants rénaux avancés, les syndromes néphrotiques, les lithiasiques, enfin, il y en a beaucoup, les tubulopathies, c'est très hétérogène. Mais on va quand même essayer, donc on s'est dit on va tous se mettre ensemble et l'objectif principal, ça va être le nombre de perdus de vue à 1 an et à 2 ans. Voilà, pour essayer d'être objectif, parce que les critères de qualité de vie, c'est pas toujours facile, mais bien sûr en mettre un objectif secondaire, la satisfaction du patient par rapport à la préparation de son transfert, l'autonomie, son autonomie, ses connaissances. Donc comme vous pouvez voir, j'avais mis en rouge quand on s'est réunis l'aide d'intention le 6 novembre 2022, qui était aussi la lettre d'intention pour tous les PHRC. Puis vous avez vu, j'étais très très occupée, c'est de me battre avec ma DRCI. Et donc, j'ai lu 6 novembre, mais c'était 6 octobre. Et donc, malheureusement, début novembre, quand s'est émis à la lettre d'intention, c'était trop tard d'un mois. Donc, nous sommes toujours dans cette volonté, tous ensemble, de vouloir faire le PrEP. Ce ne sera pas pour cette année, mais nous serons peurés pour l'année prochaine. Voilà, tous les centres qui vont participer. Donc, il y a à peu près tout le monde. Il y a Lille, il y a Lyon, Marseille, La Réunion, Paris, Strasbourg, Tours, Toulouse, Besançon, Montpellier, Nantes, qui me répondra. Ah oui, on n'a pas Nantes. On n'a pas Nantes, mais Gonelle m'avait dit oui à l'oral et Lucide m'a dit oui à l'instant. Alors. Donc voilà, et je pense qu'on aura d'autres, quand ça sera beaucoup plus concret avec une aide d'intention, on aura beaucoup probablement d'autres centres. L'idée, c'est d'avoir le plus de patients possible parce qu'on va être très, très hétérogène. Voilà, donc on s'était posé des questions, c'était juste... voilà, c'est l'idée quand même qu'il y a un binôme, que ce soit avec un néphrologue pédiatre et un néphrologue adulte. On avait dit qu'il fallait que les patients soient suivis du au moins plus de 2 ans en néphrologie pour que ça ait un sens. D'utiliser, de se baser notamment sur le dernier questionnaire ORCID, celui qui est au bout d'un an. Voilà, on aura un problème d'hétérogénéité. Mais c'est intéressant, puis c'est l'occasion de continuer de parler de transition. Je pense qu'il faut du travail autour de la transition pour améliorer les choses. Voilà. Merci beaucoup. Il faut certainement... Est-ce qu'il faut profiter de ce délai involontaire pour relancer l'utilisation de ces... La dynamique est liée, la preuve. Mais relancée par les collègues de l'utilisation de ces questionnaires, est-ce que le fait d'utiliser des tablettes favoriserait ça? Est-ce que, voilà, parce que pour que l'évaluation soit intéressante, il faut qu'il y ait... Dans l'appel d'offres, on veut demander de toute façon des soutiens numériques, parce qu'en plus, comme tout est remplissable en ligne, je pense qu'il faut absolument... Maintenant, les jeunes, ils sont quand même tous avec leur téléphone, donc comme c'est eux qui vont le remplir... Oui, on encourage tout le monde à les utiliser, bien les garder, garder les noms des patients. Et si on n'arrive pas à faire quelque chose de prospectif, ce sera un super sujet de rétrospectives, de thèses ou de DU, de néphropédiatrie. Enfin, il y a plein de choses à faire. Encore faut-il les garder, quoi. Jérôme ? J'ai pas tout suivi la méthodologie de l'essai, là, de l'étude. Donc, l'exposition, ça serait le fait d'avoir rempli la fiche... Non, ça serait les perdus de vue. Donc l'idée, c'est que tous les patients le critère de jugement, les perdus de vue. Oui, mais l'exposition, c'est le fait d'avoir rempli la fiche à vos marques prépartées. C'est quoi les inclusions? Non, les inclusions, ça sera les patients qui ont eu un programme de transition qui sont suivis depuis un certain nombre d'années. Donc on avait dit 2 ans, mais c'est discutable. L'idéal, c'est qu'il y ait les fiches à vos marques prépartées, parce que dans ces fiches, on a des critères secondaires bien plus importants. Mais notre critère principal, si on se base que sur les fiches, on va
pas inclure les patients, ouais. je crains. Hein, donc c'est être passé par un programme de transition. Exactement, si possible. Et quand on a envie de rentrer dans ce protocole, avoir rempli les fiches, d'accord. Je pense que ça va aider, une fois qu'on est rentré dans ce programme, à penser à remplir donc, la potentiellement, fiche. Potentiellement, toute la filière peut participer. Oui. Pas forcément de toutes les fiches. Hein, comme on a pas redétaillé le programme de transition. En fait, il y a trois types de questionnaires. Ça commence à 11-13 ans. Après, il y a... ouais. 15-16 ans, et puis, enfin, ou 14-16 ans, puis après 17 ans. Quoi. En fait, l'idée, c'est qu'on voulait, pour avoir un document informatif précis, que soit fait au moins, c'est ce qu'on avait discuté, le dernier. D'accord. Celui, c'est le questionnaire, c'est pas le à vos marques prêt, mais le parté. C'est-à-dire celui où on considère que le jeune, il est autonome, à la fois dans sa vie et réalité, il est prêt à partir en fait chez les adultes. Donc si on peut, il y a ça, mais sinon c'est le fait de passer par un programme de transition. Et du coup le groupe contrôle, les c'est quoi ? Non, on n'est pas là, on n'a pas le groupe contrôle. Pas de groupe contrôle. Donc c'est juste une évaluation observationnelle en disant ils sont passés par ce c'est une espèce d'essai monobras quoi, ils sont passés par un programme et voilà où ils en sont un an, deux ans après. Après, c'est ouvert. Hein. On n'a pas beaucoup évalué les choses parce que tout ça est récent, mais toutes les bonnes propositions sont... On en reparlera, mais il y a peut-être voilà. Des manières de le faire. Oui, oui, tout à fait. Plus... On n'a pas encore l'idée de la publication, mais effectivement... L'idée, c'est qu'il n'y a pas tant... Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne passent pas par des programmes de transition. Et l'idée, c'est de... Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de groupe contrôle, mais c'était déjà de montrer que finalement, on avait un... pas si mauvais pourcentage de perdu de vue quand on était passé par ce programme. Il y a plein de données, il y a des données en greffe. Franchement, il n'y a pas de données sur les autres pathologies ou sur toute la néphrologie. Donc c'était déjà basé au moins sur des données. On aimerait être ambitieux. On sait à quel point ce genre d'études est compliqué, surtout quand on est multicentrique. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas mis la barre trop non plus. Voilà. Mais oui, on peut faire un super truc, mais... C'est à retravailler, là, ouais. Là pour l'instant. Et tout aide est vraiment le bienvenu. On discute avec grand plaisir. Pardon, oui. Oui. Moi, j'avais juste une petite remarque en tant qu'association de parents. On sait que pour les familles, c'est très angoissant, cette transition de l'enfant vers l'adulte. Surtout qu'il y a des maladies rares qui font que l'enfant ne grandit pas tellement en termes de taille. Et ils se retrouvent hospitalisés parfois dans ces secteurs adultes où ils sont un peu perdus. En tout cas, je trouve que c'est une étude qui est très intéressante, puisque le binôme, comme vous parlez, est hyper important. Et j'espère que les professionnels vont pouvoir travailler là-dessus pour améliorer cette transition enfant-adulte et aider les familles, surtout, qui elles aussi sont très angoissées, finalement. Je pense que tout le monde est angoissé dans cette relation. Tout le monde.